aujourd'hui je me trouve à Vitry-en-Artois et c'est Eric qui nous a donné le nom de Sylvie. Sylvie, vous allez voir, c'est une personne avec un cœur grand comme ça, donc forcément elle devait être dans notre émission. Alors Sylvie, là, l'épicerie solidaire, mais ça fait combien de temps que tu as cette idée qui te trotte ? L'idée a émergé en 2012 et l'épicerie a ouvert en 2016. Mais en fait, il faut avoir des valeurs vraiment tournées vers l'autre pour pouvoir faire des choses comme ça. Oui, je reviens de loin puisque j'étais directrice d'une grande enseigne, voilà. Et le social est toujours venu à moi et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'épicerie solidaire sur notre territoire et j'ai développé mon projet, ouais. Et alors, comment on fait? Parce que là, on voit vraiment que c'est bien achalandé. Ouais. C'est hyper impressionnant parce qu'il y a même des petits détails, hein, je vois. Il y a des marques connues. Ouais, il y a très bons produits. Il y a de très bons produits, ouais. Mais les prix sont dérisoire. Alors, 0,40 par exemple, pour ce petit pot, il y a une grosse différence par rapport au supermarché. Il y a une grosse différence, il faut compter entre 10 et 30% du prix réel de la marchandise que paient les bénéficiaires de l'épicerie. Donc pour les avoir, on adhère à la banque alimentaire. Et on peut faire aussi des dons, nous. Moi par exemple, si demain je veux venir et je dis aux copains... Avec plaisir, Emma, avec plaisir, bien sûr, on accepte tous les dons numéraires ou alors en denrées alimentaires, ça nous arrive souvent. Comment on peut venir justement? Demain on a besoin, on est un peu dans la panade, comme oui, on peut dire. Peut arriver effectivement. En fait, l'épicerie solidaire va toucher toutes les catégories de personnes. Ça peut être des personnes qui travaillent et des personnes qui, par exemple, qui divorcent, qui subissent un accident de la vie et des personnes qui touchent des minima sociaux. Donc, on vient prendre rendez-vous à l'épicerie, on fait le dossier, on calcule le reste à vivre, hein, comme toutes les autres structures sociales et solidaires. Et puis, en fonction de ça, on adhère ou pas à l'épicerie. Et on fait nos courses. Et vous faites votre course comme tout à chacun. Alors, moi, ce que me disent, on paye à la fin. Et... Ouais. C'est garder une dignité de pouvoir payer aussi ses courses. Même si c'est un budget moindre. Au-delà des aliments, il y a aussi donc, tout ce qui est vêtements, c'est ce que je vois ici. T'as tout un petit coin là avec... Voilà, c'est notre boutique à dons de l'épicerie. Alors les dons qu'on reçoit des particuliers et entre bénéficiaires eux-mêmes, ils s'échangent. Donc on manque un tout petit peu de place. On a créé une page Facebook propre aux bénéficiaires de l'épicerie, ce qui leur permet de s'échanger aussi des articles sur notre page Facebook. Donc il y a aussi voilà les jouets, enfin tout ça. C'est vraiment comme un magasin. Comme un magasin, ici se servent, voilà. Et alors là, il y a encore autre chose. J'ai vu atelier, donc ça c'est aussi pour accentuer les échanges entre eux en fait, essayer d'ouvrir un petit peu. Oui, en fait, l'axe alimentaire nous permet de les amener vers des ateliers, de recréer du lien social tout simplement, de leur redonner envie de voir du monde, de discuter de leurs soucis, s'échangent des petits tuyaux sympas. Enfin, c'est toujours convivial et ils ressortent de là. Tout content, super heureux. Et ça c'est le meilleur des cadeaux et quoi, tout à fait, ce que je dis souvent, c'est la meilleure des récompenses, c'est de les revoir repartir avec le cœur plus léger. Et donc là c'est pour ça qu'on voit même la petite tirelire avec la maison du grand cœur quoi. Ça nous résume bien. Forcément vous étiez obligée d'être avec nous pour du talent et du cœur, Sylvie. En tout cas oui, c'est gentil, merci. En tout cas bravo pour tout ce que merci, vous faites, Emma, et j'espère que ça va donner un petit coup de pouce. Je sais que vous cherchez aussi une camionnette, donc un camion de course, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se déplacer pour venir ici, parce que l'essence ça coûte cher aussi. Donc ben voilà, nous on en profite, si jamais vous aussi vous êtes formidable et puis que vous avez un camion, une maison, des objets, des plein de choses à donner, et bien on compte sur vous. Et puis on se retrouve très très bientôt sur Weo.